Salut tout le monde, c'est JCCPKM67. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 4 de ma collection. Donc, maintenant, c'est le bloc AGSS Légende. Donc, AGSS de base. Mais à la fin du classement, ça va faire mal aux yeux pour certains. Je préfère prévenir. On arrive sur les primes. Les cartes légendes plus la shiny, enfin la secrète. Enfin, c'est même pas une secrète quoi. C'est la dernière du set normalement. Voilà. T'as un Lugia juste magnifique. Donc, déchaînement, ouais, voilà. De toute façon, le bloc AGSS, hein, c'est celui-là qui est le plus connu. Hein. Donc, il ne coûte pas très cher, mais bon, voilà quoi, il est sympa. On arrive sur les primes. Les légendes. Donc, indomptable. Le démolasse, c'est juste trop bien quoi. Pareil pour le mentali. Kyogre et Groudon. Donc série triomphe. Le Absol, il est trop bien quoi. Moi j'en aimerais bien un ex, les nouvelles ex de Absol quoi. Et là, ça va faire mal aux yeux. Un des blocs les plus durs, enfin une des séries les plus dures à compléter. Donc là. Attention, l'appel des légendes. Donc, comme moi je collectionne uniquement les versions holo et pas les reverse. Donc, j'ai les 22 holo. Cette série, elle vaut de l'or. C'est juste hallucinant. Elles sont trop bien. Donc c'est la dernière holo, la 22.
Mais bon, c'est pas le plus dur à avoir. Comme je vous ai dit, ça va bientôt faire mal aux yeux. Là, on arrive. Donc déjà, les énergies en reverse. Juste magnifique. Et là, attention, on commence avec les SL. Elles sont trop classe. Donc, et oui, je possède toutes les SL en 100% neuve et bien sûr en français. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et nous on se retrouve assez rapidement pour une autre partie de ma collection. À plus.